internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme il y a personne parce que je n'ai pas les miens. Aujourd'hui on se retrouve pour un don de machine voix. Merci beaucoup. Mais aussi parce que, à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a trouvé la base de mon ennemi juré, les amis. Donc je sais pas si c'est vrai. Je sais vraiment pas si c'est vrai. Si tu veux, si tu peux te stuff vite fait. Ok, je me stuff puis j'arrive, ok. En gros, il aurait trouvé la base. T'es bêta quand t'es vide. Ok, je vais aller me vider. Je vais juste prendre un don. Message, ok. Je me stuff et j'arrive. Je vais juste me vider vite fait parce que je veux pas quand même, tu sais, je veux pas faire attendre l'autre abonné non plus. Je sais pas pourquoi il me donne tout ça. Je vais lui demander TPA machine là. Et je vais lui demander machine là. Pourquoi tu me donnes tout ça? On va quand même essayer de savoir pourquoi il nous donne tout ça. Hein. Oh shit, il y a une petite base ici. Dépêche. Ok, j'arrive. C'est bon, j'arrive, mec. Je prends des potions, des trucs comme ça. Cette ombre, don, ça me saoule skill. Ah. Ok. Ben, c'est gentil, mec, de penser à moi. J'apprécie. J'ai 200 euros pour rien sur skill. Wow. Alright. Il a mis 200 euros, le gars. Oh là 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 là. Mais quel malade, quoi. I'm croc. Ok, je me suis TP à lui. Kit. Ah merde, j'ai pas d'épée. Ah merde, bon, c'est pas grave. Il m'a TP kill. Non. Il m'a TP kill, il est banni. Ok, il est banni. Il m'a TP kill banni. Bon, le gars il m'aurait TP, il m'aurait donné mon stuff. A skip c'était juste un prank, mais c'était pas drôle comme prank, donc moins 10 sur 10. Ok, je vais mettre sur ton... Oh, what? Ok, t'es pas obligé de mettre de l'argent sur mon serveur, mec, hein. On s'en fout. Je vais juste prendre tout ça parce qu'on peut les vendre. La pomme, on peut faire des... comment ça s'appelle? Pomme cheat. Les minerais, on peut faire ça. Les livres, ça ici, ok. On peut faire... Oh, ça, je vais les prendre parce qu'en fait, vous savez pourquoi je prends des stuff comme ça? On peut les échanger au PNJ pour avoir des points de faction. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver le site PNJ. J'arrive pas à le trouver. Donc, si vous savez il est où, le tabarnak de PNJ, je veux bien que vous me le partagez, les amis. Ce serait très aimable de votre part, bien sûr. Home Sky, c'était un prank pour ta vidéo. Bah, c'était pas drôle, mec. Pas drôle à 0%, mec. On va mettre tout ça là. Mais vraiment, merci beaucoup à toi, Macha, pour le don. Ça fait super plaisir. Et puis, ben, on se continue sur la vidéo, les amis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe après, mais bon. What's up? Donc, il y a une enchère qui va commencer pour une fight tax. Et si je me souviens bien, j'en ai déjà une. Donc, moi, j'aimerais bien ça l'avoir pour la revendre. Donc, le maximum que je pense que je vais mettre, ça serait peut-être 20 000, peut-être. 22 000, ça dépend. Je veux pas dépenser les 30 000. Je veux pas dépenser les 30 000 parce que ça vaut pas vraiment plus que 30 000. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'a... qui disent que ça vaut quand même genre 20 000 et tout, mais je pense que le max c'est 30 000 que ça vaut le maximum. Je pense que déjà à 30 000 c'est difficile de la vendre, mais bon, on verra. Au pire, je peux peut-être l'échanger contre des points boutique ou quoi que ce soit, mais on verra. L'enchère va commencer, donc c'est très simple. Quand l'enchère commence, on appuie sur la touche U pour parier, ou sinon on fait slash enchère. Et je crois que c'est le montant. Donc là, on voit, il y a déjà quelqu'un qui a mis 11 000. Moi, je vais mettre directement 20 000, tiens. Ok, 30 000, quelqu'un qui a mis 30 000, je vais mettre 30 000. 32 000, oh shit, ok. Je sais pas si ça vaut vraiment 32 000. Je vais mettre 32 001. Il faut réenchérir de moins 100. 35 000. Ouais, je vais y aller juste une shot. 35 500. 55, vas-y. Ah, je pense pas que ce soit une bonne idée ce que j'ai fait. Je pense vraiment pas. Je pense pas. 38 000. Oh, 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 oh. Ok, je vais y aller une dernière fois juste pour faire monter le prix, ok. 38 100. Vas-y, ah, merde, 38 500, voilà, je vais l'avoir à 38 500, je vais l'avoir, non, nice, ok, je vais y aller, 39 500, vas-y, je lui fais juste, j'y explique son argent, j'espère vraiment qu'elle va pas se vendre, non, mets de l'argent, non, ah, je l'ai eu pour 40 000, mec. Fuck, fais chier, mec. Je voulais lui voler sa thune, mec. Putain, là, j'ai dépensé vraiment mon budget. Mais c'était vraiment... c'était vraiment juste pour le lol, quoi. C'était juste pour le... le troll, en fait. Je m'en fous un peu, en vrai. C'était juste pour avoir un titre de vidéo, quoi. C'est plutôt drôle. Je t'apprends à mettre ça, quoi, si tu veux.
Message explose. Vas-y, je mets HDV. Vas-y, HDV add 25 000. Je m'en fous en fait. Comme j'ai dit, je m'en fous totalement, les gars. Totalement, je la revends 25 000. C'était juste vraiment pour le lol, quoi. C'était juste pour avoir un peu de fun avec les enchères. J'avais jamais testé avant. C'était la première fois. C'était vraiment cool. Donc sur ce, ben j'ai perdu à peu près 10 000 $. C'est pas un peu plus. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est la vie. Je vous aime. De suite. Bon ben tant qu'à y être dans le fond de la vidéo, je vais faire un petit update sur mon le stuff que j'ai. Donc on a 1, 2, 3, 4 stacks de creepers bientôt. Donc sachant que c'est 90 par cœur, j'aimerais ça pouvoir piller des cœurs des factions qui sont hautes dans le classement. Donc peut-être la Ghetto, peut-être la Google Plus, la Supreme Gang, la NoFake sont déjà éliminés, mais peut-être ces factions aussi à 4000 points. Mais vraiment, ces trois ici, là, les trois premières, Ghetto, Google et Supreme Gang, si on est capable de les trouver, je serais prêt à gaspiller vraiment mes 4 stacks de creepers dedans. Ça serait quelque chose qui pourrait nous être vraiment utile. Aussi, on est devenu allié avec les Itasia, donc c'est ceux qu'on avait fait durant deux combats de factions. Ils ont gagné le dernier combat de faction contre nous. Les autres d'avant, c'est nous qui avions gagné, mais vraiment, l'arène est réouverte dans le fond. Je sais pas s'il y a des gens qui vont les dominer. Je sais pas, attendez un instant, je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil. Sinon, je pourrais peut-être fight avec eux, je vais peut-être rejoindre leur faction pour fight quelque peu, mais non, ouais, c'est ça, c'est eux qui dominent. Il y a personne qui attaque la truc, malheureusement, mais sinon, niveau under chest, j'ai quand même 2 P4 Tita, j'ai un cœur ici, il manque juste un générateur, donc si on paye une faction et qu'on a le générateur, ça va me faire 40 000 à peu près, je pense 30-40 000, un coeur ça se vend à l'HDV, puis après ça voilà quoi, j'ai quelques stuff. J'essaie de vraiment de me farmer aussi beaucoup l'argent et les creepers, c'est surtout ça que je farme beaucoup, 138 000, donc bon. J'ai gaspillé un peu d'argent pour la fight axe que vous avez vu dans la séquence juste avant, mais pour l'instant, niveau de mes stuff, mes richesses, etc., on se tient quand même assez haut. Je veux quand même vous admettre, j'ai quand même farmé beaucoup, mais la plupart des trucs que j'ai, c'est grâce à vous, les dons que vous me faisiez durant mes lives, etc. J'en ai fait tellement de lives et tellement de dons que j'ai reçus, les gars, c'est des trucs de malade. Même au début de serveur, il y a quelqu'un qui m'avait donné 3 pièces space, plein de trucs comme ça qui m'a vraiment aidé à avancer sur le serveur. Ce qui m'a permis d'acheter mon skill chest, m'a permis d'acheter des cœurs de faction, acheter plein de trucs. Et on va d'ailleurs aller au cœur de faction prendre les points avant que je déco, parce que je vais déco pour quelques jours. Je serai pas actif, donc si vous me voyez pas sur skill pp, s'il vous plaît, paniquez pas. Mais normalement, pendant je pense 24 heures, je serai pas connecté, ce qui m'arrive très rarement, les amis. je me connecte au moins à tous les 3 heures, au moins pour faire mes votes, sauf quand je dors, mais voilà. Donc sur ce, les amis, une petite vidéo aujourd'hui un peu plus courte. Je sais pas ce que je vais vous mettre avant ou après, mais vraiment c'était vraiment pour vous parler de l'enchère. Dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant le nouveau système d'enchère. Malheureusement, je trouve qu'il devrait avoir des limites sur les prix. Genre par exemple, si l'item elle vaut genre 40 000, ben la personne qui met 40 000 direct dans le bail, tu sais, un genre de achat rapide, si on peut dire. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment cool comme ça, parce qu'il y en a comme moi qui se fait carotter. Comme là, on a vu, il y avait les deux gars de la Cracker Boy qui ont augmenté le prix, juste pour que je paye plus cher. Moi, c'est ce que je voulais leur faire aussi, vous aviez vu, au bout d'un moment, c'était ma stratégie. J'ai mis 500 $ de plus juste pour les farcher, mais finalement, ils ont remisé, puis ils ont pas remisé, c'est moi qui s'est fait niquer dans tout ça. Mais c'est pas grave, ça me fait quand même un titre pour ma vidéo, et puis dans tous les cas, je suis quand même content que vous ayez pu voir à quoi ça avait l'air d'une enchère en fait. Donc voilà, c'était plutôt cool, je vous aime, merci les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.